Alors bienvenue à toutes et à tous au Bain des Paquis. Madame la maire de Genève, monsieur le conseiller aux États, chers invités, chers lanceurs d'alerte, mesdames et messieurs les journalistes du Club Sud de la Presse en particulier avec qui nous avons organisé cet événement, chers amis, chers membres de l'association des Bains des Paquis, la UBP, je vous souhaite la bienvenue au nom de cette belle association d'usagères et d'usagers. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Je m'explique. Nous sommes tous réunis ici et maintenant pour une noble cause, la défense de nos droits fondamentaux, de la liberté d'expression et du droit d'être informé qui sont des fondements de la démocratie. Pourquoi est-ce le bon lieu et le bon moment pour le faire ? Le bon moment, d'abord, parce qu'il fait beau. Hein, si ça avait été il y a quelques heures, on aurait été moins joyeux. Premièrement, mais ensuite parce que nous sommes à 10 jours de la visite de Joe Biden et Vladimir Poutine à Genève, et puissent-ils entendre l'appel de Genève ? C'est donc le bon moment parce qu'aussi cette mascarade a assez duré. Et c'est le bon lieu, tout d'abord évidemment parce que nous sommes au cœur de Genève, ville internationale et diplomatique, qui s'illustre sur la scène internationale par ses combats pour défendre les droits humains. Mais ça, je laisserai Madame Perler en parler, elle le fera bien mieux que moi. Mais pourquoi lancer cet appel au Bain des Paquis et pas dans un salon du Palais des Nations ? Tout d'abord parce que ce lieu est un espace citoyen par excellence. La preuve, votre présence ici, totalement diversifiée, totalement libre. C'est une agora moderne, un forum de discussion, un Facebook en live pour de vrai, un réseau, une terre d'accueil où le monde a été fait, défait et refait des milliards de fois. Un lieu populaire où tout le monde est bienvenu. C'est le sens de notre nouveau drapeau, le pavillon des bains, que vous avez peut-être vu en entrant, un détournement du drapeau suisse créé par un artiste, Baptiste Lefebvre, où la croix blanche est remplacée par un cœur et cette œuvre s'intitule « Bienvenue ». Tout le monde est bienvenu ici. C'est un symbole d'ouverture et de solidarité. Mais ce n'est pas seulement ça, et ce n'est pas seulement parce que les bains sont beaux, parce qu'il fait beau, parce que c'est une plage. Bien sûr que c'est chouette d'être au bain. Mais avant tout, les bains sont un lieu de résistance. L'existence même des bains est le résultat d'un combat citoyen puisque c'est un référendum populaire lancé par l'AUBP, c'est le petit nom de l'association, en 1988 contre les autorités de l'époque. Contre les autorités de l'époque. Et c'est ça qui a sauvé les bains de la destruction. La campagne du référendum a été financée par des spectacles et des fêtes organisées sur les bains qui étaient à l'aube de leur destruction ou à leur crépuscule. Ils étaient sur le point d'être détruits et on a fait la fête ici. Des artistes, des musiciens qui se produisent gratuitement, des graphistes, des cinéastes, des dessinateurs qui se mobilisent, un mouvement qui prend de l'ampleur. Il est porté par un collectif de citoyens et d'usagers, des gens qui aimaient les bains. Et c'est ça qui a évité sa destruction et qui a ensuite... C'est ensuite ces gens-là qui étaient des mobilisés, des citoyens qui ont hérité de la gestion des bains qu'elle assume depuis 34 ans. Et l'année prochaine, c'est les 35 ans. Il faut qu'on fasse un anniversaire. Donc, exactement. On espère avec Julian Assange, effectivement. Dans la fondation même des bains, plus que du béton armé, il y a dans son ADN la confiance dans le pouvoir de la résistance citoyenne, mais aussi dans le pouvoir de la culture, de l'art, de la poésie, pour nous réunir, pour vaincre la morosité, l'adversité, l'injustice. Et cette culture, les bains la veulent populaire, la rendre accessible à toutes et tous, gratuite toute l'année. On a près de 150 animations gratuites pour le public, en passant par les eaux musicales, les concerts de la journée, la poésie. Voilà, notre programme, il est ouvert à tous. Et le but, c'est non pas de réaliser l'idéal, parce que les bains ne sont pas un lieu idéal. Et loin de là, croyez-moi, je suis le président de l'association, il y a du boulot tous les jours, c'est le combat ordinaire. Mais c'est un lieu d'idéal. C'est un lieu qui est porteur d'un idéal, c'est que la poésie sauvera le monde. C'est pourquoi depuis plus de 10 ans, trône le mot poésie au sommet de notre plongeoire. Et ça fait face à la rade de Genève. Face à toutes les enseignes de la rade, des grandes marques, des banques, des assurances, etc. Nous, tout ce qu'on a à offrir, c'est quelques grammes de poésie. Et on a même écrit, là, il y a 2 ans, « La poésie sauvera le monde » sur les saccades de la ceinture des bains. Aujourd'hui, nous écrivons, ici et maintenant, tous ensemble, « La liberté sauvera le monde. La vérité sauvera le monde. La liberté de dire et de savoir la vérité sauvera le monde. » C'est pourquoi nous avons sobrement inscrit le mot « libre » au sommet du plongeoir, comme vous pouvez le voir. «
Aujourd'hui, nous voulons rendre hommage à tous les lanceurs d'alerte, ici présents et partout dans le monde. Merci pour votre travail, merci pour votre sacrifice. Vous n'êtes pas seuls. On ne peut pas être neutre face à l'injustice, car ne rien faire, c'est être complice. Si nous sommes réunis ici, c'est grâce à la puissance de l'art, d'une œuvre d'art de Davide Dormino, ici présent, qui a touché Sarah Ducré, membre du groupe culture de l'AUBP et qui l'a invitée au bain. Nous sommes très heureux d'accueillir cette statue aussi longtemps qu'elle voudra rester parmi nous. Pour conclure, ce lieu où nous sommes ici et maintenant est la preuve vivante que c'est possible, que la résistance citoyenne peut changer les choses, que l'art peut faire des miracles en nous réunissant autour de causes nobles. Si une mobilisation a pu sauver cet espace public, aussi petit soit-elle, aussi petit et insignifiant soit-il, et en même temps, comme l'explique souvent le coordinateur des bains, comme le monde est une sphère, on est toujours au centre du monde, où qu'on soit, puisqu'on est à équidistance de tous les autres points. Donc les bains, aujourd'hui, ici et maintenant, sont le centre du monde, sont le centre du monde pour lancer cet appel de Genève, parce que nous avons cette intime conviction que la mobilisation populaire et citoyenne peut changer les choses, et nous avons l'intime conviction et la certitude que l'appel de Genève sera entendu à travers le monde et pourra contribuer un tant soit peu à sauver un homme qui, avant d'être un symbole, est un être humain. J'aimerais remercier les personnes qui ont rendu cet événement possible, le groupe culture de l'AUBP évidemment, en particulier Sarah Ducré, que j'ai déjà remercié, qui est l'initiatrice de tout cet événement, Pablo Manuel Villarreal, Eric Vanoncini, Philippe Constantin, Michel Félix Davidas, Jean-François Vercasson et Florent Macherzik, qui sont à la technique derrière vous, qui font le live. Le club suisse de la presse, très chaleureusement, en particulier Pierre Rucci et Tobias Claire, qui ont vraiment œuvré à donner une ampleur phénoménale à la communication de cet événement. Merci beaucoup de votre collaboration. Et toutes les personnes présentes, merci d'être ici. Et tous les lanceurs d'alerte qui sont présents aussi, à qui on va donner la parole. Ce combat est entre nos mains, à nous toutes et tous, chacun peut faire sa part et doit faire sa part pour faire face et doit faire face à sa propre lâcheté intérieure. C'est ce que nous avons fait au Bain des Paquis. Nous avons fait notre part aujourd'hui. Maintenant, c'est à vous de jouer. Merci beaucoup. Alors, j'ai le plaisir aussi d'être le maître de cérémonie aujourd'hui. Et donc, j'ai le plaisir de passer la parole à Frédéric Perler, maire de Genève. Et j'ai oublié de dire une chose, tous les orateurs auront le choix de s'exprimer depuis cette tribune ou depuis la chaise, librement, ils n'ont qu'à le dire quand ils arrivent. Monsieur le coordinateur de l'association d'usagers des Bains des Paquis, ainsi que toute l'équipe qui a contribué à la mise sur pied de cet événement, monsieur le rapporteur de l'Organisation des Nations Unies, monsieur David Dormino, auteur de cette statue « Anything to say », mesdames et messieurs, chers et chers amis, en ma qualité de maire de la ville de Genève, je tiens à vous adresser mes cordiales salutations et vous remercier de m'avoir invité et à vous adresser ces quelques mots à l'occasion de ce vernissage de l'œuvre réalisée par David Dormino. Pour quelles raisons le mouvement des lanceurs d'alerte qui est apparu dans les années 90 continue-t-il de déranger aujourd'hui? Parce que peut-être, pour la première fois dans l'histoire, nous n'avons pas affaire à une démarche classique d'opposant ou d'opposante à un régime ou à une institution, mais à ce que l'on appelle à juste titre des insiders, de fortes personnalités qui, dans différents domaines, que ce soit économique, militaire ou scientifique par exemple, choisissent un jour, en ayant accès à des informations inédites, de dénoncer des pratiques illégales, des dangers graves, en brisant le silence et en suscitant la controverse et des réactions souvent violentes. Je suis pour ma part convaincue que cette forme de contestation et de résistance est salutaire, puisqu'elle respecte le principe de la transparence, de la justice, qu'elle met le savoir à la portée de toutes et tous, même si à l'heure du digital, du tout-puissant et des fake news, il est bien sûr essentiel de pouvoir toujours vérifier les informations et faire preuve d'esprit critique. Julian Assange, Edward Snowden et Chelsea Manning, chacun à leur manière, ont pris des risques considérables en divulguant des milliers d'informations et ils ont en commun une vertu fondamentale, le courage et la ténacité.
Par leurs actions, ils se sont mis en quelque sorte au service des droits humains. Et vous savez que pour la ville de Genève, berceau du droit humanitaire, le combat pour la défense et le respect des droits humains est un principe cardinal. Le monde dans lequel nous vivons en ce début du XXIe siècle est un monde de plus en plus complexe et dangereux, comme en témoigne le maintien des crises et des guerres, la multiplication des situations violentes, de violence, ou encore le développement des extrémismes. Or, ces dangers se nourrissent de la persistance de l'injustice, de la pauvreté, de l'impunité de trop nombreuses dictatures, des violations incessantes des droits humains. C'est pourquoi nous avons un réel besoin d'action et de réflexion. Mesdames et messieurs, nous sommes toutes et tous concernés par la défense des droits humains sur chaque continent, dans chaque pays et dans chaque ville. Depuis bien longtemps, la ville de Genève porte en elle l'idéal commun des droits humains. Elle sera toujours de leur côté. Je tiens à vous féliciter pour votre initiative et l'installation de cette œuvre importante qui nous interpelle en plein cœur de Genève. Que chacune et chacun se sente libre de s'exprimer aux côtés de ces trois héros contemporains. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la maire de Genève. J'ai l'honneur d'appeler maintenant Carlos Amaruga, conseiller aux États, pour prendre la parole. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité à cette inauguration de cette sculpture extrêmement parlante et qui est dans un concept aussi naturellement de propagation du message, puisque vous savez qu'elle est là pour un certain temps et qu'ensuite elle voyage. Si je suis aujourd'hui présent, c'est en ma qualité de parlementaire. Et je pense que dans les démocraties, les parlementaires ont un rôle extrêmement important. Un rôle important pour rappeler aux États, c'est-à-dire aux gouvernants, ici en Suisse, au Conseil fédéral, les obligations auxquelles ils sont liés. Ils sont liés à des obligations bilatérales entre différents États, mais à des obligations multilatérales qui sont des conventions internationales, qui sont aussi des déclarations internationales. Et une déclaration essentielle de toutes nos démocraties occidentales, mais pour l'ensemble des nations, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est un élément central du concept des Nations unies. Cette déclaration universelle des droits de l'homme, nous en trouvons aussi une déclinaison européenne, la Convention européenne des droits de l'homme. Et dans le cadre de ces deux documents essentiels qui constituent un des fondements de notre démocratie, il y a aussi la liberté de la presse, la liberté d'information. Il y a cette liberté chacun de pouvoir informer et s'informer librement. Cette liberté, comme je disais déjà hier, ne peut être limitée par des instruments légaux ou de nature politique. Ici, il s'agit d'utiliser cette liberté de manière à ce que les turpitudes que commettent certaines institutions de l'État, contrairement aux valeurs démocratiques qui sont inscrites dans nos constitutions démocratiques, soient communiquées aux citoyennes et aux citoyens, mais soient aussi communiquées à nous, parlementaires, car nous sommes finalement une institution démocratique de l'État. Et très souvent, les turpitudes, les violations crasses des droits humains commises par des représentants de ces États sont cachées. Et il faut des acteurs comme Julian Assange, comme Edward Snowden, Chelsea Manning et bien d'autres, pour pouvoir les amener à la lumière. Il faut défendre donc de manière extrêmement forte cette liberté d'information, qui est celle de l'acquisition de l'information et de la propagation. Et Julian Assange, au-delà de sa personne, est le symbole de cette liberté d'information, et nous devons donc nous mobiliser. Lorsque les États sont incapables d'avancer, comme on Angleterre, comme aux États-Unis, et quand il y a un silence mortifère, comme en Suisse, au sujet de cette affaire, il s'agit donc de mobiliser les citoyennes et les citoyens. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, dans le cadre de l'appel de Genève, de l'inauguration de cette sculpture ici, c'est un appel à vous, citoyennes et citoyens suisses, citoyens et citoyens du monde, de se mobiliser pour amener les États à bouger sur ce cas, pour la libération de Julian Assange, pour la garantie du droit à l'information, la liberté de la presse, et naturellement pour obtenir de la Suisse qu'il y ait une disponibilité pour l'accueil de Julian Assange, si c'est ce choix qu'il retiendra après sa libération. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, monsieur le conseiller aux États. J'ai maintenant la joie et l'honneur d'appeler Niels Melser, qui est donc haut rapporteur à l'ONU et qui est un expert du cas Assange, malheureusement. Ladies and gentlemen, we are in Geneva. It's the city of the United Nations. It's the city of the Red Cross. It's the city of humanitarianism, and it's the city of human rights. I'm standing here next to Edward Snowden, Julian Assange, and Chelsea Manning. Whatever you may have heard about them, the truth is all of them are being persecuted, mistreated and demonized for one thing and one thing only: for having told the truth, the whole truth and nothing but the truth about the misconduct of Western democracies. They are the skeletons in the closet of the West. Their persecution and mistreatment is what destroys the credibility of the West. When the Western governments today protest against the persecution of Alexei Navalny and of Roman Protasevich, those governments only laugh and ask, well, what about Edward Snowden, who is being protected in Russia? What about Julian Assange, who's in solitary confinement without having committed a crime but telling the truth? What about Chelsea Manning, who is being persecuted to the point of almost dying in an attempt of suicide? This persecution is the black stain in the credibility of Western democracy and the rule of law. Whistleblowers and journalists that publish those informations are inconvenient truth tellers. They're as inconvenient as the fire alarm in your house. When a fire goes off in your house and there is smoke, you hear the alarm, we all know the drill. We have to leave the house, we have to leave our work, our daily routine. It's inconvenient. And many voices come up and say, well, just switch off the alarm. That's what these governments are trying to do when they persecute and isolate and silence these people. They're silencing the fire alarm in the building of democracy and the rule of law. And if I stand here on this chair, it's because I was the fire alarm in the UN for this case. And I rang the alarm bell, and I wrote to these governments and informed the public, but they wanted to switch off the alarm. No one reacted. So we are inconvenient truth tellers, the four of us and the millions of others that are out there that speak the truth. Inconvenient truth. You can switch off the fire alarm for now, and you will feel comfortable for a couple of more moments. But the next time you open your eyes and you wake up and you look around, the whole building will be on fire. It's now in the hands of the public to react. It's in the hands of Geneva. Thank you, Geneva, for hosting us here. Thank you for giving us this platform. But I know this voice goes out to the world. Thank you very much. Merci beaucoup, Niels Melser. Juste une petite information. Hier, on a eu une conférence de presse avec des discours plus longs. Elle est complètement à disposition sur Internet, sur les pages du Club Suisse de la Presse et notre page Facebook. Donc, n'hésitez pas à aller entendre les paroles qui ont été dites aussi hier, qui ont été extrêmement fortes. J'aimerais maintenant passer la parole à l'initiatrice de ce projet au sein des Bains des Paquis. Je la présente en deux mots. Donc c'est Sarah Ducré. Ce qui est beau, c'est que c'est vraiment emblématique du fonctionnement des Bains. Donc les Bains, c'est une association d'usagers. Donc toute personne est bienvenue pour apporter ses idées, ses envies. Sarah, elle est à la fois dans le groupe culture, mais aussi elle travaille à la buvette. Et c'est une personne extrêmement engagée, anthropologue de formation, enseignante. D'un seul coup, elle a eu un coup de cœur pour cette œuvre d'art. Elle nous a dit, j'aimerais l'inviter. Et voilà, on est là tous ensemble. Merci Sarah.
Et juste mentionner aussi que Sarah est l'auteur de l'exposition à l'entrée, donc c'est elle qui a rédigé les textes, qui a composé toute cette exposition, donc elle a plus d'un titre sa place ici, et vous allez voir qu'à 14h, il y aura une visite guidée si vous voulez aller plus loin sur ces 16 portraits de lanceurs d'alerte. Je lui passe la parole. Merci. Bonjour et merci à tous d'être là. Je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit aujourd'hui et hier, que je soutiens évidemment. J'aimerais donner quelques paroles au nom des lanceurs d'alerte avec qui j'étais en contact en créant cet événement, notamment Stéphanie Gibaud, qui m'a aidée à faire l'exposition, tout comme Rudolf Elmer, Françoise Nicolas, et j'en oublie une, mais ça va me revenir, parce que j'ai été touchée par ces personnes qui l'ont été. J'ai pu découvrir des personnes souvent affectées, très affectées par leur histoire, des personnes en situation difficile, que ce soit financière, sociale, des personnes qui ont été abandonnées par les médias, qui se sont battues seules. Stéphanie Gibaud, aujourd'hui, ne peut pas être là. Elle aurait grandement voulu y être, elle ne peut pas, parce qu'un procès pour harcèlement est encore en cours contre UBS, et elle n'ose pas venir sur sol suisse dans ce contexte. Il faut donc savoir qu'en Suisse aussi, des choses comme ça se passent. Je pense que tout le monde ne s'en rend pas compte. Maintenant, tout ce que je voudrais rajouter, aujourd'hui nous sommes des lanceurs d'alerte, des représentants de l'ONU, des représentants du gouvernement suisse, des représentants du monde des médias, des journalistes, des personnes ordinaires comme nous le sommes tous, j'en oublie certainement, des ONG. Nous avons la chance d'avoir des représentants de Diem25, qui est une organisation très importante pour le futur et pour ce mouvement. Et je voulais souligner le fait qu'aujourd'hui, nous sommes énormément à être réunis ici. C'est quelque chose de rare aussi. On fait rarement quelque chose de très grand pour les lanceurs d'alerte. On en parle parce que c'est sensationnel, comme Chelsea Manning, on s'est beaucoup intéressé à ce qui s'est passé pendant son emprisonnement par rapport à son identité. On s'est moins intéressé à ce qui s'est réellement passé. Donc voilà, je voulais juste remercier tout le monde d'être là et de prendre conscience qu'aujourd'hui, nous sommes tous des lanceurs d'alerte et nous sommes tous ici pour représenter la liberté. Voilà, merci beaucoup. Donc sans transition, j'aimerais passer la parole à David, l'artiste qui a créé cette œuvre. Et merci d'être là. Bonjour. I will repeat what I said yesterday during the press conference. In about two weeks, Presidents Biden and Putin will meet in Geneva to talk about human rights. The truth is the key to freedom. And if you agree, all of you should be part of this action. Put the sign on your car, on your windows, on your door, and show it to Putin and Biden. Thank you. Merci beaucoup. Merci beaucoup, David. Alors, vous inquiétez pas, c'est courant au bain. C'est une petite shower rafraîchissante. Mais ça passe, hein, n'est-ce pas, les techniciens, vous êtes d'accord avec moi? Et voilà, il faut juste avoir un tout petit peu de résistance. Hein, c'est ce qu'on développe ici au bain. Ça dure 2 minutes et puis ça nous laissera tranquille. Parce qu'on a l'énorme honneur et la joie. I'm very, very pleased to welcome here in Balepaki and in Geneva, Stella Morris, who is Julian Assange, fiancé, who is here with us for testimony. I give you the floor. And it's difficult condition, it's a very beautiful metaphor. Thank you, everyone, Madame la Maire, and everyone else for being here, and
Mr. Meltzer, I'm honored. I'm Julian Assange's fiance, and although I haven't seen him since January, we speak over the phone. He can call me. And I took a little walk before we started to the end of the pier to get to take it all in, this beautiful place of peace, a place that embodies the values that Julian has made his life's purpose. And also so that I can share with him this little slice of freedom when I speak to him next, because that's what keeps him going, the conviction that he will be free. And conviction is what these three men who are standing next to me drove, what drove these men to do what they did. They had evidence of wrongdoing, and they put it forward so the world would know. In Julian's case, he performed the classic function that a journalist does. He received information from Chelsea Manning. He saw it was of public importance. He was moved by his conscience, but also because he has a legal obligation to reveal crimes. He revealed crimes. And none of those crimes are prosecuted. Julian is in prison because they committed crimes and because they want to silence him and they want to isolate him. And they want people to believe that he's alone, but this is the proof that he's not alone. All of you are the proof that Julian's not alone. And as long as Julian has people by his side, he will be free. It's so important that Geneva has had this initiative just 10 days out of this important meeting between two of the men, most important men, most powerful men in the world. And what's happening here today is not just a group of concerned citizens. It has an effect. Your voice and your opinion has an effect, and your expression of your opinion has an effect. And I'll tell you why in a very concrete way. When Julian published the diplomatic cables, we were able to see that the US government prepares what they call scene setters, documents to brief the diplomats who are coming or the high-level politicians like Biden. And Biden will read a brief in which the fact that we're standing here today will be in that brief. He will read that. And your opinion, the fact that you're here, will go straight into Biden's eyes and into his brain. And it's so important that we keep this up, that it's not just a one-off, that we're constantly thinking about how we can get Julian out and how we can save his life. Because Julian is at severe risk of losing his life. And if he loses his life, it's not because he's committed suicide, it's because they're killing him. So we need to free him, and I ask you all to come together and help me free him. Thank you. Merci infiniment, Stella Morris. Thank you. Thank you so much, Stella Morris. Your testimony has huge impact on us. J'ai maintenant le plaisir d'accueillir Juliana de Diem25. Dear organizers
of Bains des Pâquis, dear David, dear City of Geneva. On behalf of Democracy in Europe Movement 25, short DM25, I would like to thank you all for this exhibition and for drawing attention to the precarious situation of our advisory panel member, Julian Assange. Julian has been involved with DM25 since the very beginning in 2016. Fighting for freedom of press, protecting and supporting whistleblowers is therefore part of our DNA. Only when governmental injustice is brought to public attention, people can exercise their right to know and decide. Without transparency, democracy remains an illusion. Amongst various forms to fight for the democratization of Europe, we developed the platform DiEM Voice, which aims to generate attention to political wrongdoings through art, and we are very proud and happy that Davide's bronze, Anything to Say, is accomplishing exactly that. Country by country, city by city, people stand in solidarity next to Julian Assange, Edward Snowden, and Chelsea Manning on this empty chair. That powerful gesture, including the race of awareness, can only be provoked by great art and great artists. Thank you. Merci beaucoup. J'ai juste oublié une chose du protocole. Stella Morris, I just forgot something. On behalf of Bains des Pâquis AUBP, we had a present for you. It's the flag of Bains des Pâquis. It's a present for you and Julian Assange. Tell him that he can always come here, and that's his visa for Bains des Pâquis. Because he's welcome here. Merci, thank you very much. Maintenant, j'ai le plaisir d'appeler Alix Parodi, président du Pen Club Suisse Roman. Tout d'abord, je tiens à remercier les Bains des Pâquis pour nous avoir accueillis. Le Centre Pen Suisse Roman, donc, que je représente, fondé il y a 72 ans, le 3 mars 1949, par Jacques-Édouard Chable, fait partie de la grande famille des 184 centres de peine internationale à travers le monde pour la défense de la liberté d'expression et surtout des écrivains et journalistes. Nous tenons à rappeler les positions de peine internationale et relevons le rôle essentiel des dénonciateurs pour la liberté d'expression. Nous exhortons tous les gouvernements à renforcer la protection juridique des dénonciateurs afin d'aligner les législations nationales sur les normes juridiques internationales, dont l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et l'article 17 de la Convention internationale sur les droits civils et politiques. Nous exhortons le gouvernement des États-Unis à se conformer à la décision de la Cour d'appel et à reconnaître Edward Snowden le statut de dénonciateur et de défenseur des droits de l'homme. Il dénonce l'emploi abusif de l'espionnage et considère les poursuites contre Julian Assange comme une attaque contre la liberté d'expression. L'Assemblée générale des délégués de peine internationale appelle les États-Unis à abandonner les poursuites contre le fondateur et rédacteur en chef de Wikileaks, Julian Assange, qui encourt une longue peine de prison aux États-Unis pour avoir obtenu et publié des informations d'intérêt médiatique. Il considère que les lois d'espionnage ne doivent pas être appliquées à l'encontre des journalistes et rédacteurs en chef qui révèlent des informations d'intérêt public. L'Assemblée générale des délégués de peine internationale appelle également le Royaume-Uni à rejeter l'extradition de Julian Assange vers les États-Unis. Extrait de nos deux résolutions votées au congrès de Manille l'année dernière et à notre congrès en Galice, à Ourense, en Espagne. Je voudrais aussi dire ces quelques vers de Gabriel Celaya. La poesía es un arma cargada de futuro. La poésie est chargée, est une arme chargée d'avenir. Nous sommes au Bains des Pâquis, le lieu de la poésie. À résister, résistons, je vous remercie. Merci beaucoup, Alix Parodi. Maintenant, nous avons l'honneur de recevoir des lanceurs d'alerte qui vont pouvoir témoigner personnellement. Caroline Huntmaté, lanceuse d'alerte ONU, je vous prie de prendre la place.
Thank you, citizens of the Bain de Paquis and citizens of Geneva. It is truly a great pleasure to be here today to address you. I first have to acknowledge the amazing Sarah Ducret for her work as a teacher on top of her teaching load that she pulled off this event on top of her regular work. And she bears the hallmark of a great teacher and a great anthropologist. So thank you again, Sarah. So speaking truth to power is a responsibility. It is one, speaking truth to power bears a price that has been paid by Julian Assange languishing in Belmarsh prison today. Most whistleblowers, however, like myself, are internal whistleblowers. We were simply doing our job. We were simply reporting to our supervisors that which we found wrong in a system, for which we endured brutal retaliation, 15 years litigation in my own case before I received an apology, and exclusion. Today, the amazing Yasmin Mortajamy is not able to be with us because she's filing her case 11 years into litigation with Nestle on Monday. She stood up to protect all of us as one of the world's greatest food scientists from safeguarding us from corruption in the food supply. And this is what she's endured. But thank you, Yasmin. I know you're with us in spirit. But Geneva, the sanctuary for religious freedom, you know, Geneva, the home of the human rights mechanisms and of the UN, is also the home to more multinationals than anywhere else in the world. And so why have the multinationals and the power holders on our planet chosen Geneva? They have chosen Geneva because its structures, its legal systems, and its politicians have enabled their work. When I hear Niels Meltzer yesterday tell us that he's been unable to get an appointment to speak about Julian Assange with the High Commissioner for Human Rights, that sends shivers down my spine. Where is the independence that the UN has long stood for? I work as an independent investigator in the sexual exploitation and abuse world. And one of the issues that I want to address today is the importance of the Fourth Estate and media. It may interest you to know that Harvey Weinstein, the great journalist of the world, knew about Harvey Weinstein almost 5 years before he was prosecuted and the media brought his issues to light. The truth was, it was not the journalists, it was editorial control which prevented the world knowing about the deeds of Harvey Weinstein. And I asked myself, why is Julian suffering so much? It's because WikiLeaks bypassed editorial control. WikiLeaks bypassed editorial control, and individuals could not pick up the phone and say, please do not publish, please do not print. And so many, the work of great journalists is truly tainted by the by editorial control. And I would ask Geneva to bear this in mind. So I'm going to leave you with a message from a great Brazilian exile, Paulo Freire. Freedom is acquired by conquest, not by gift. It is to be pursued constantly and responsibly. And I just leave you with a question for Switzerland and Geneva. Would you give Assange asylum? And if you will give him asylum, will you allow him to continue his important work? Thank you.
Thank you very much, Caroline Hunt-Mate. Caroline will be in the debate this evening at 6 o'clock. There will be a café philosophique, a debate public here and on live Facebook. Donc ce soir, elle participera au café philo. Merci beaucoup d'avoir accepté cette double invitation. J'ai le plaisir maintenant de passer la parole à Rudolf Elmer, qui est aussi lanceur d'alerte BJB. Whistleblower alternative, question mark, let's corruption drive. Whistleblower Rudolf Elmer and Swiss Bank secrecy. It is fruitless to fight globalization corruption in a globally supported and protected Switzerland. People say my whistleblower case is extremely complicated. After all, there has been 70 court decisions, 217 days imprisonment in solitary confinement, a criminal investigation against my wife, the physical harm caused by my daughter and me by the detectives of Julius Baer, and to this criminal proceedings lasting over 15 years. It's easy to understand why. On the contrary, my case is not complicated. It's a simple case. It's a question of if I'm employed in the Caymans or in Switzerland. That would have solved the issue at the beginning already. I had an employment contract with Switzerland, and with Cayman, and therefore Swiss bank secrecy could not be applied. However, my case is about hiding how the state of Switzerland is adding multinationals and selected super-rich individuals to control and turn a decent country into a feel-good oasis of criminals. On the other side, the spectrum blaming for reporting wrongdoing whilst humiliating and using my family as hostages, exerting so much pressure until my child, 11-year-old, attempted a suicide. The ultimate aim of Switzerland is to provide a safe haven for ultra-high net worth individuals, no matter the cost of society, to protect these entities and distract focus away from their own wrongdoings. The state will systematically intimidate, overburden, dishonor, and inflict as much financial and psychological damage as needed until the whistleblower, respectively the truth teller, is worn down by its gangs of bullies. It's no wonder Switzerland has the highest rate of psychiatric cases in Europe. It doesn't matter who the whistleblower is. What is important is to distort and hide the truth from civil society in order to pursue the dark dealings of the banking world. Their methods are manifold, mostly inhumane, and a disadvantage for society as a whole. I would like to illustrate this with the letter I received during my 270 days in solitary confinement in Winterthur prison. The letter came from one of the few independent senior judges in Zurich who understands the true motivation of Swiss judiciary, the inner working of the Zurich judiciary and Zurich Financial Center. In it, he explained that criminal acts are also perpetrated by judiciary itself in order to set an example against whistleblowing. He wrote, I quote, "I received your letter and once again I read it with interest. You describe conditions and mechanisms that are very familiar to me and hardly cause any astonishment. Nevertheless, the first instance conviction had irritated me to a great extent, especially the fact that you were denied honesty and decent attitude at the time.
you were defamed, pathologized, and criminalized. The whole program, the fact that the prosecutor are grappling with the idea of drawing up another psychological evaluation of you goes exactly in this direction. The fact that you are being held in solitary confinement speaks for itself. This is how you react to enemies of a state. People like you, and that's a saying in the church, people like you seem more dangerous to the system than the Red Army Fraction, RAF, or the Red Brigades. The lawsuits against you and the ongoing investigation are highly political matters. Fighting it with legal means is laudable, but unfortunately not promising. Switzerland protects its golden calves. Every state does that. The criminal justice system protects the system and not the well-meaning and well-behaved citizen. Criminal law is not as never been about punishing all violations of the law, regardless of the principle of legality and the official maxim. It is about prosecuting the politically correct violations, and almost more importantly, not to prosecute them. Criminal investigations against Swiss banks and institutions are now in no way opportune, but rather the prosecutions of persons who make or have made their inside knowledge available to the public. The Swiss Financial Center does not want and cannot afford criminal investigation against banks. Where would that lead? First Bank Julius Baer, then UBS, Credit Suisse. That is why an example is being made here. Finally, the press will not, and I call it the press, will not to mess with any banking institution, and you will hardly get any support from established political parties. From that point of view, you have no lobby here in Switzerland at the present time, that's said the judge. The most important sentence of the senior judge in his response was, you believe in the rule of law at the state. And it is precisely this rule of law and the state that prove to you that you must not believe in it. It is a fact in Switzerland, every conscientious objector or whistleblower is convicted precisely for that reason mentioned. The independent law enforcement agency and courts have an incredible amount of leeway to carry this out ruthlessly without being punished. Judges in particular are free to do so. Therefore, the central question is related to judges. That's an important question. Does the judge serve the law, or does the law serve the judge to obstruct justice? In Switzerland, in my case, the law served the judges to protect the corrupt banking world. So, by the way, I also filed complaints at the European Court of Human Rights, and I had to learn all of them were turned down, and they do have the similar anti-whistleblower program as Switzerland's judicial system. More details to this matter you will find on my webpage, where the detailed speech is published. Lastly, I would only like to present my conclusions. The key conclusion is dealing with legal cases of whistleblowing in Europe, where one expects honesty and fairness. One would nowadays be having better chances, in my view, of a fair trial in China or Russia than in Europe. It becomes crystal clear
why Julian Assange does not receive a fair trial in Europe, in my view. Whistleblowing in many cases exposes systemic abuses committed by states that now appear to be governed multinational corporations and super rich. At this core, this is not about individual whistleblowers. It is about the system that far exceeds the qualities and the quantities of a mafia-like organization. The opponents of whistleblowers are highly educated, intelligent, and well-off people with unlimited financial assets and commodities, resources, e.g. bankers, judges, politicians, public prosecutors. Their aim, to make whistleblowing a capital offense so they can carry on with the wrongdoing. This demand by the opponents of whistleblowing, otherwise these well-off people lose their position in society, their jobs and their social recognition, not only them, even their families. On the other hand, whistleblowers must therefore not take the harassment and the contamination personally, even though they have to experience it personally. In fact and truth, these are crimes committed by the powerful against civil society, against Mr. and Mrs. Everyone. Whistleblowers should always be aware of this. Ultimately, the only effective weapon of a whistleblower, of self-defense, I have as a whistleblower is information. And I have to retain a lot of that. I have retained a lot of that. I think that is also a reason why I am still alive today and did not go the path of Sergei Magnitsky, Daphne Caruana, Galicia, Jamal Khashoggi, and many others. Thank you for your attention. Merci beaucoup, Rudolf Elmer. J'ai le plaisir maintenant d'accueillir pour un témoignage spontané Hafid Wardidi. Wardiri, viens. Difficile de tenir debout devant des statues vivantes. Je ne vais pas faire long. Je voudrais juste témoigner du fait que je faisais partie de la liste de Wikileaks et que j'avais été espionné par la mission diplomatique des États-Unis ici à Genève durant pas mal de temps. Et donc, je suis de tout cœur avec ceux qui dénoncent les agissements contre les droits de l'homme, contre la liberté de conscience, contre la liberté au sens large du terme. Je salue les bains, je salue les libres penseurs et les poètes qui les fréquentent, et je vais vous juste raconter comment est-ce que cela s'est passé. Je suis le directeur de la Fondation pour l'entreconnaissance, et j'ai été un des membres fondateurs de la Grande Mosquée de Genève. Je suis ici depuis très longtemps. J'allais de temps à autre avec ma compagne du côté du château de Pente pour marcher ou courir un peu. Et nous garions la voiture dans le parking du château de Pente. Le problème, c'est que dans la voiture, je m'occupe de civilisation et d'art islamique. Et donc, dans ma voiture, il y a des livres sur tout cela. Et à cause de cela, j'ai été espionné sans cesse et j'ai mérité 11 pages dans Wikileaks. Et c'est la raison pour laquelle je viens témoigner devant ces personnages qui m'invitent à nettoyer mon placard et à décharger un peu de cette lâcheté qui m'habite
et de faire en sorte que notre impuissance ne devienne pas complice de ceux qui veulent nous priver de tout, même de respirer et d'être des poètes heureux de vivre. Merci à vous. Merci. J'appelle maintenant Patrick Bradach et Claudia Dasking. Je ne sais pas où ils sont. Voilà. I'd like to prefer to speak from the chair. Hello, Geneva. First of all, I would like to thank the organizers and the promoter for giving us the time to talk about this very important topic, Julian Assange. But first, I would like to digress for a moment. I've been dealing with the three people here since 2012. We invented the weekly vigils in Germany, and I've stood on this chair for a few times now. These years have shaped me, and these three names here have been a constant, sometimes exhausting, companion in my life. Thanks to Davide, I have had a symbol of protest against the imprisonment of Julian since 2015. It's not just the sculpture, for me, it's the chair. Everyone sees these three heroes here, but very few see the chairs that hold all the weight. For all of us, the chair is mostly unnoticed luxury that everyone can take advantage of at any time. We now take a good seat for granted. Hardly anyone noticed a chair like this when they are not in use. Chairs look different, but they all have this one special characteristic. Everyone uses their chair differently, to put their legs up. Children build cages with it. Suicides use chair to hang themselves. Some simply rest on a chair. Chairs are used as a weapon in pub fights, and if you want to make yourself heard in the crowd, you step on the chair. You can even sit on chairs that do not belong to you, at the airport or in a shopping center, for example. Such a chair has become a matter of course over the years, just like the right to be able to say what you want and to express your opinion openly, and as a journalist, to provide people with the truth. One day, the right of whistleblowing should also be included in the law books. Imagine you would have to live without chairs. That would often be very uncomfortable, and that is also the case with our freedom of expression and freedom of the press. When we have lost them, we only noticed how uncomfortable and difficult it can be without them. This is precisely why we need secure and pristine information. The journalists have the duty to provide us equally with independent information, and not only the careful selected information released by the people who try to dominate and lead us behind the facade of monarchy and democracy. Lately, I've been thinking more and more of Julian when I look at this mass media, but not because his case is being clarified or reported, no. But because intensely and one-sidedly only about cases like Mr. Navalny or Mr. Protasiewicz is reported without ever pronouncing the name Assange. Also, these cases can be compared with one another. Now it is slowly becoming apparent that double standards are being used here, and Claudia will tell you something more about this. So how do we respond to these double standards that Patrick mentioned? How can it be that the name of this guy, of Julian Assange, is still so stained after all the detective work that uncovered the smear campaigns? Well, one reason is probably that a lot of money has been spent by professional story makers. Pentagon spending billions on PR to dominate world opinion. A Fox News headline from 2009, quoted in a book I found by Julian Assange. $4.7 billion, quote, to win the hearts and minds
to ensure the continuation of wars. Gagner les cœurs et esprits pour garantir la continuation des guerres. An enormous investment into the media we draw our truths from. At another point in this book, which is mostly about Google, he says, what is to be done against this? He says, people need to engage in an intellectual defense against this manipulation by rhetoric. So how do we defend our minds? And how challenge the journalists who fearfully or lazily stay on the safe side? Do we wave the flag of despising the mainstream media like so many people do? No, I don't think so. We should communicate with the journalists, write them letters, no hateful comments online. Journalists nowadays get too much of this. So just write them respectful letters telling them to turn the headlight on the work of these people and on the work of Julian Assange and WikiLeaks. And focus on what WikiLeaks published for us. Poke their noses into the enormous archives of WikiLeaks. Send them the leak. You can find WikiLeaks on WikiLeaks or on Wikipedia in chronological order. Or beautifully narrated by our friends of Belgium for Assange. Tell them to go do the interviews with the witnesses of defense of the court show in London in response to the scandalous exclusion of the press, like Swiss online magazine République did, for example. Remind them that journalism is about that, about shining the light on war crimes. Pick journalists you like, then it is much easier to beg them to do their work better. Tell them to go on strike for the profession, like recently did the Australian press against government persecution when they blackened their headlines collectively. And finally, for us, the citizens as activists, the same applies. Let us be honest to say what we know and where we know it from. Let us admit what we don't know. Check our opinions about people, about alleged facts, which our brains might only have breathed in because we have heard them so often. Let us struggle for truth and struggle for the freedom of Julian Assange. And these are all midterm steps, but for the instant, please, press and people of Geneva, when Biden comes, tell him the West is not free unless Julian Assange is free. Merci. Julian Assange has traded the truth for freedom to open our eyes. Take him as an example for your work and find your way back to the actual topic. Please show the people what is really going on in the world. Free flow of information, free Assange. Thank you very much, merci beaucoup. Maintenant, last but not least, le dernier orateur du jour. J'ai le grand plaisir et le grand honneur de passer la parole à Pierre Ruecci, qui est donc notre partenaire de cœur pour cet événement. Il nous a accompagnés au niveau de la communication et il a permis de structurer cet événement, lui donner cette ampleur. Et c'est en discutant, dans les discussions citoyennes ici, qu'est née l'idée de l'appel de Genève. Donc la question que viennent de poser les deux derniers orateurs, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Je passe la parole à Pierre, donc le président du Club Suisse de la Presse, qu'on ne présente pas pour toute sa carrière fabuleuse. Je lui passe la parole pour nous en parler. Merci Frédéric. Directeur du Club Suisse de la Presse, ne mettez pas trop haut quand même. Voilà, hier nous avons lancé ici la conférence de presse pour lancer l'appel de Genève pour libérer Assange. Un moment important, un moment crucial je pense. Et il y a tout un historique avec le Club Suisse de la Presse et le cas Assange comme il est dit, puisque en 2010, 4 novembre 2010, déjà, nous recevions ici, pas au parquet, mais dans nos murs, le whistleblower, le rédacteur en chef de WikiLeaks, Julian Assange, qui était là avec nous, alors que le Club Suisse de la Presse était à l'époque dirigé par Guy Mettant, qui est avec nous aussi aujourd'hui. Voilà, je vais être court parce que je crois que tout le monde est impatient de passer à la signature de l'appel lui-même. Donc, on me pose souvent la question, qui
Et pourquoi ici? Eh bien, qui? Frédéric l'a bien développé. Il y a une conjonction de citoyens, de personnalités, de bonne volonté, d'idées qui fait que cet appel est né ici. Et pourquoi ici? Eh bien, parce que Genève est la ville internationale et que Genève, c'est le lieu où, on l'a dit aujourd'hui aussi, le lieu où messieurs les présidents Biden, Poutine se réuniront le 16 juin prochain. Donc c'est le lieu où les choses se décident et c'est aussi donc le lieu où les exigences pour libérer Julian Assange doivent être dites et prononcées. Donc voilà pourquoi nous sommes là aussi également en ce midi sous le soleil devant la statue de David Dormino et merci de votre présence. Alors maintenant, c'est quoi l'appel de Genève? Parce que je voulais quand même dire un peu ce à quoi vous vous engagez à signer, parce que j'espère que tout le monde, tous les citoyens, Genève, d'ailleurs, du monde, vont signer cet appel qui est crucial. Alors je vais juste vous donner quelques éléments. L'appel, vous pouvez le lire entier, évidemment, sur notre site internet du Club Suisse de la Presse, www.presseclub.ch. Vous pouvez le lire, vous pouvez aller signer, je le rappellerai encore tout à l'heure. Donc, que demande l'appel de Genève pour libérer Assange? Il demande aux autorités britanniques de libérer immédiatement Assange, au gouvernement et à la justice américaine de renoncer à toute poursuite, aux États démocratiques, dont la Suisse, d'offrir un visa humanitaire ou est une terre d'asile, aux organisations internationales et ONG basées à Genève de documenter le cas et de faire pression, aux médias d'informer et de continuer à informer avec courage, indépendance et impartialité, enfin, au peuple genevois, suisse et du monde, de soutenir l'appel de Genève pour lui donner sa force. Alors, il y a énormément de raisons pour exiger la libération de Julian Assange. J'en garderai par égard pour vous qu'une, aujourd'hui, en ce midi sous le soleil, j'en garderai qu'une, parce qu'elle est absolument centrale. Parce que les poursuites engagées contre Assange constituent une intolérable menace et pression pour tous les journalistes en quête de faits et de vérité, et que sa condamnation aurait des effets dévastateurs pour la liberté de la presse. Hier, nous avons tenu cette conférence. La presse est venue, elle a écouté, elle a analysé, elle a entendu, elle a aussi répercuté. C'est important que ce message soit répercuté par les médias. J'ai fait un rapide compte ce matin. Il y a environ 40 médias suisses, tout confondu, télévision, radio, presse papier, presse web, 40 qui ont répercuté cet appel, qui ont témoigné, enfin retransmis les témoignages poignants de Stella Maurice hier, ici, aujourd'hui, ici, de Niels Melzer, d'Yves Dacor, qui était là hier avec nous, l'ancien directeur du CICR, et bien d'autres encore. Donc, ce message aujourd'hui a été transmis et aujourd'hui c'est à nous, à tous les citoyens d'ici, d'ailleurs, de partout, de signer ce message, cet appel de Genève. Je le répète parce que c'est important, cet appel de Genève peut être signé électroniquement, c'est très simple, très pratiquement, vous cliquez sur 2-3 liens, vous annoncez, vous donnez votre nom parce qu'il n'y a pas de soutien anonyme. Un soutien, c'est un soutien personnel. On s'engage avec un minimum de courage. Et voilà, donc vous pouvez le faire en allant sur le site du Club de la Presse. Vous allez être conduit à la signature électronique. Autre possibilité, allez directement sur le site change.org qui répertorie notre appel et vous pouvez le signer là également. Voilà, et maintenant, j'invite alors, pour commencer cette signature qui a été entamée hier, je n'ai pas été faire le compte, mais hier soir, une ou deux heures après la conférence de presse et l'ouverture à signature, il y avait déjà 200 signatures. Donc voilà, l'objectif est bien plus élevé, évidemment. Il dépendra de la volonté et de l'engagement de chacun d'atteindre un objectif vraiment conséquent et qui aura un impact. Mais avant tout,
Il y a le nombre des signatures, il y a la qualité des signatures. Et il y a des gens ici qui ont, par leur témoignage, apporté un soutien énorme, crucial, à Julian Assange. Et là, j'aimerais commencer par inviter, et ensuite vous inviter tous ici, tous les orateurs, à venir signer l'appel qui est là-bas, sur cette bâche géante affichée entre les deux arbres des Bains des Paquis, que je remercie pour avoir mis en valeur cet appel. Eh bien, je vais appeler pour commencer, pour signer cet appel. Je me permets d'appeler Stella Morris, dont le courage et la persistance est absolument incroyable. J'ai eu l'occasion ces deux derniers jours de la voir, enfin de l'entendre, de l'écouter. And I really would like to thank you, Stella, for all what you're doing for your fiancé, for sure, but for everybody and for the press freedom too. And I ask you today to go to the panel there with me and to sign. You will be the first signature of this call, Geneva call, to free Assange. And thanks again, and really, I'm full of admiration for what you are doing. And then I invite all the others to join us there. Thank you very much. Merci infiniment, Pierre. Pendant qu'il se déplace, juste quelques informations sur la suite du programme aujourd'hui. Donc, vous êtes tous invités à signer avec un stylo en direct l'appel, mais vous pouvez aussi scanner. Il y a des QR codes un peu disposés. Vous pouvez simplement scanner. On connaît tous ces QR codes, malheureusement, ces jours. Vous scannez et vous allez directement atteindre le site internet Idoine. Ensuite, une fois que vous aurez profité encore de ce moment, vous êtes tous bienvenus pour un apéritif offert par la buvette des Bains des Paquis, que je remercie, qui est notre partenaire essentiel pour tous nos événements. Donc merci beaucoup, la buvette des Bains des Paquis. Ça sera, oui, on peut les applaudir, la buvette des Bains. Ça sera dans la cabane où il y a eu la conférence de presse hier. Ensuite, j'aimerais vous dire encore qu'à 14h, il y aura une visite guidée de l'expo de Sarah Ducré, en présence de Sarah Ducré et de Pablo Emmanuel Villarreal et d'autres lanceurs d'alerte à 14h, donc sur le premier mur, et à 18h, un grand café philo. Et maintenant, il ne reste plus qu'à faire ce qu'on a appris depuis un an. Le virus nous a appris une chose, c'est la contamination. Essayons d'être des antivirus. Si chacun de vous contamine 5 ou 6 personnes avec l'appel, eh ben on sera des millions, vu que le virus nous a appris qu'on pouvait conquérir le monde en quelques semaines. Faisons-le avec un antivirus, l'appel de Genève. Merci à tous et à toutes.